Donc, parce que sinon, mon ami, tu vas finir PQ du quartier. Et encore une fois, comme je l'ai dit, faut pas se fier aux apparences parce que dernièrement, les gens se sont retrouvés à se battre pour du PQ, que ça veut dire que ça a de la valeur. Loin de là, ça n'a pas de valeur. D'accord? Ça n'a pas de valeur. Donc, ce n'est pas un justificatif pour devenir le PQ du quartier. Donc, tu te respectes un minimum. Merci beaucoup, my love. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, Thomas Tonio. Et comme toujours, un plaisir de vous retrouver dans des nouveaux épisodes de la crasse. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très particulier. Quelque chose que les gens aiment bien souvent utiliser, une petite expression. Prouver sa valeur. Ouais, j'ai réellement un problème avec cette expression. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ça sent le maïs périmé. Oui, parce que cette expression, en fait, c'est l'escroquerie du siècle. C'est réellement l'escroquerie du siècle. Tellement que c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on alimente et qu'on cultive. C'est-à-dire qu'on passe les uns aux autres. Alors que clairement, le bail, c'est un truc que... nope. Nope. Nous ne pouvons pas valider cela. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous, les crasseux, nous stoppons cette foutaise immédiatement. Tu n'es pas là. Tu... Toi, moi. Nous ne sommes pas là pour prouver qui que ce soit, à qui que ce soit, quoi que ce soit. Nous sommes. J'ai même bugué dans ma phrase, ça va, ça veut dire quelque chose. Tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et encore moins ta valeur à qui que ce soit. Parce que ta valeur, c'est à toi de la définir. Tu n'as juste qu'à la définir. Tu n'es pas là pour la prouver en fait. Tu n'as rien à prouver. Et pourquoi je dis ça? Regarde, par exemple, on prend l'exemple le plus basique qui soit. Demain, il y a un bébé qui naît. Ok? Est-ce que pour avoir, recevoir l'amour qu'il va recevoir, pour l'attention qu'il va recevoir, pour l'affection qu'il va recevoir, il doit prouver quelque chose? Non. Il n'a besoin de ne prouver rien parce que il est lui-même. Et le fait d'être lui justifie l'amour que sa mère va lui porter, que son père va lui porter, que l'attention qu'il va avoir autour de sa famille, l'amour qu'il va recevoir de sa famille n'est pas à prouver parce que juste le fait qu'il soit là justifie toute l'attention et l'amour et il a de la valeur parce qu'il est là. Tout simplement le fait d'être là est justifie l'attitude des gens envers lui. Pourquoi est-ce que lorsque tu deviens adulte, ça change? Non, tu es toujours la même personne, tu es toujours le même être. T'as juste grandi en croissance, t'as poussé sur la hauteur, mais tu restes le même truc de base. Ta valeur n'a pas changé, t'as exactement la même valeur. Et même si tu devais prouver ta valeur, pourquoi est-ce que tu devrais prouver ta valeur aux autres? C'est pas parce que nous sommes des créatures sociables qu'il faut donner le pouvoir aux autres sur ton existence. C'est-à-dire, ce serait donner du pouvoir aux gens sur ta vie. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un ne t'aime pas et tu vas considérer que tu as moins de valeur parce que quelqu'un ne t'aime pas. Sachant en plus que tu connais l'être humain, des fois c'est sub. Y a même pas de justificatif. J'arrive même plus à parler français. Y a pas de justificatif, juste la personne ne t'aime pas et du coup elle va te mettre des bâtons dans les roues. Donc chaque fois que quelqu'un ne va pas t'aimer, tu vas considérer que tu n'as pas de valeur parce que telle personne ne t'aime pas. Donc réellement, c'est non. Famille, c'est même pas parce que tu as une famille qu'il faut... Non, c'est le premier truc, ta famille. Si la famille, tu ressens le besoin de faire prouver ta valeur pour avoir l'attention de ta famille, c'est un non. C'est un non. Amitié, c'est pareil, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Maintenant, en tant qu'ami, c'est donnant-donnant, comme toute relation. Hein. Mais cela ne justifie pas la valeur de la relation, c'est-à-dire l'attention que tu dois avoir, elle doit être saine. C'est juste que tu apprécies la personne et basta. 3. Professionnellement parlant, voilà, t'es supposé bosser, oui, c'est vrai, etc. Tu fais le travail qu'on te demande, mais va pas fracasser ton coccyx pour un bail où on peut te remplacer du jour au lendemain. Voilà, pareil. Quel que soit le type de relation, tu peux pas justifier. C'est mort. Quel que soit le type de relation, c'est mort. C'est non. Tu n'es pas là pour prouver ta valeur, pour que les gens puissent te donner un peu de leur attention. Non, c'est pas comme ça, on n'est pas en mathématiques ici. Les relations, clairement, ne fonctionnent pas comme ça. Et la vie, ce n'est pas comme ça. Parce que si tu fonctionnes comme ça, toute ta vie, tu vas être malheureux. Toute ta vie, tu vas être malheureux parce que si tu te bases sur comment les gens vont réagir pour décider si ou non tu as de la valeur, oulala, hey, moi je te le dis, t'es pas sorti de l'auberge. Tu n'es pas sorti de l'obobo. De l'obobo. De l'auberge. Anyway, t'as compris ce que je voulais dire. Ce qui veut dire que tu n'as pas non plus besoin de te comparer. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un réussir à faire tel truc, ça ne veut pas dire que tu as moins de valeur si toi tu n'as pas fait la même chose. Donc parce que sinon, mon ami, tu vas finir PQ du quartier. Et encore une fois, comme je l'ai dit, faut pas se fier aux apparences parce que dernièrement les gens se sont retrouvés à se battre pour du PQ, que ça veut dire que ça a de la valeur. Loin de là, ça n'a pas de valeur. D'accord? Ça n'a pas de valeur. Donc ce n'est pas un justificatif pour devenir le PQ du quartier. Donc tu te respectes un minimum. Merci beaucoup, my love. Mais surtout, si tu passes ton temps à te comparer, c'est-à-dire ce n'est pas un objectif fixe. C'est-à-dire tu ne pourras jamais dire ok, j'ai atteint
mon objectif, parce que dès que tu finis de te comparer à une autre personne, tu auras une autre personne qui en fera mieux et tu vas commencer à te comparer à cette personne. Je peux comprendre que tu aies besoin de t'améliorer, etc., etc., pour ton bien-être et pour soi-même, et comme parce que l'être humain est supposé se dépasser chaque jour pour pouvoir avoir une belle vie, pouvoir accepter sa vie et l'apprécier. Je comprends très bien le principe, mais de là à te comparer à gauche et à droite, ça veut dire juste que tu vas passer ta vie à courir après un mirage et tu seras tout le temps malheureux. Tout le temps. Malheureux. Donc le plus difficile dans tout ça, c'est quand même de te rappeler que c'est ta vie, c'est ton existence. Donc la valeur que tu définis, c'est la valeur que tu as, point barre. T'as pas besoin de rien. C'est-à-dire, tu n'as besoin de rien d'autre, premièrement. Donc ton bien-être, c'est ta priorité, mon ami. C'est-à-dire, en fonction de la valeur que tu vas te donner, si tu considères que tu as de la valeur, bien évidemment, ton bien-être ira au même niveau que le niveau de valeur que tu te donnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Si tu veux savoir si tu te considères comme étant de la valeur, comme quelqu'un ayant de la valeur, il y a des choses que tu ne tolères pas si tu considères que tu as de la valeur. Il y a des gens qui vont pas venir te parler n'importe comment. Tu vas pas laisser n'importe qui venir s'asseoir sur ton visage devant n'importe quoi pour n'importe... Non. Il y a des choses que tu laisses pas passer quand tu considères que c'est quelque chose de valeur. C'est comme quand tu achètes quelque chose que tu estimes comme ayant de la valeur, tu vas pas laisser n'importe qui venir tripoter ta chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est pareil. Voilà, c'est pareil pour ta personne. Exactement la même chose, honey. Et surtout, faut te rappeler que la valeur donnée est subjective. Elle est subjective par rapport à ton vécu, par rapport aux expériences que tu as eues dans la vie, etc., etc. C'est subjectif. Voilà, ça varie en fonction des personnes. Et comme on est plus de 7 milliards et demi, mon ami, crois-moi, des variations, il y en a. Donc, vraiment, mon ami, il faut poser le cœur. Vraiment, c'est quand t'as des doutes, il faut poser le cœur. Parce que si tu poses pas le cœur, mon frère, tu te retrouves dans des positions où tu te fais du mal pour rien du tout, tout ça pour une histoire de valeur, alors qu'en fait, t'es même pas supposé souffrir comme ça. Il suffit de regarder les enfants. Les enfants se prennent pas la tête. Un enfant, pour qui tout va bien, il n'est pas là à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, à part peut-être les parents, parce que bon, les parents nous aiment et on a bien remarqué qu'ils sont contents quand on fait des choses qui sont bien. Voilà, mais t'enlèves les parents quand ils sont entre eux là. Il n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. S'il est là, il joue avec son caillou et il s'en fout de ce que tu penses. S'il veut que son caillou ait décidé de devenir médecin, le caillou deviendra médecin. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Voilà. Et ce qui est vraiment génial dans tout ça, alors du coup, c'est que tu peux définir la valeur, ta propre valeur. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de quelque chose d'extérieur. Tu peux décider demain, ok, que tu es plus haut qu'un prince d'Arabie Saoudite. C'est la valeur que tu te donnes, tu décides que tu es là-bas en haut. Si tu as décidé que tu es là-bas en haut, c'est là-bas en haut que tu es, mon ami. Qui va venir te contredire? Si quelqu'un vient te contredire, tu t'en fous, c'est ta valeur que tu as décidé d'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Cette valeur-là, c'est toi qui la fixes. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. La valeur-là, c'est toi qui la fixes. Yes, honey. Yes. Est-ce que tu sens le power qui glisse en toi? Tu vois? C'est-à-dire que tu as un total contrôle sur le bail. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'est pas là à manger des pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est sur du sérieux, honey. On est sur du sérieux. Donc maintenant, tu sais. Et tu définis ce que tu mérites. Et tu te le donnes. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu considères que tu mérites, tu te le donnes. Tu feras des choses pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas perdre le temps à essayer de justifier pourquoi tu veux tel truc. Non, parce que tu considères que tu le mérites, en fait. Et tu vas faire de ton mieux pour l'avoir. Parce que tu as la valeur pour. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas là à prouver. Non, tu te donnes juste ce que tu considères que tu mérites et tu l'auras, point barre. Y a pas besoin de demander à qui que ce soit la permission. Tu vois ce que je veux dire? Tu es déjà dans la sauce. Voilà. Et surtout, cette valeur-là, tu exiges ce niveau de valeur par rapport aux autres aussi. Parce que quand tu es prince d'Arabie Saoudite, c'est pas n'importe qui va venir commencer à te parler comme si vous aviez élevé les porcs ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ta valeur. Et maintenant, si quelqu'un est en dessous de cette valeur, est-ce qu'il existe? Vous n'êtes pas sur le même niveau d'onde. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'êtes pas sur vous ne vivez pas sur la même gravité, sur la même planète, vous n'êtes pas au même level. Donc forcément, tu ne la vois même pas, la personne. Tu vois, elle est en dessous de ton champ de vision. Pourquoi tu veux? Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je dis. Les princes d'Arabie Saoudite, là, t'en as déjà croisé un? Moi, j'en ai déjà vu un. Eh ben, crois-moi, le mec, quand tu n'es pas dans son sexe, tu n'existes pas. Ça veut dire, si t'es pas un homme ou une très belle femme, tu n'existes pas. Voilà. Deuxièmement, si t'as pas d'argent, tu existes encore moins. Ça veut dire, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pareil en ce qui nous concerne. Si tu considères que tu as un certain niveau de valeur, voilà, tu vas pas laisser n'importe qui venir te perturber dans l'Europe. Ah, tu vois ce que je veux dire? Living my best life, honey. Living my best life. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, va falloir que je me refasse un thé parce que là, la voix, ce n'est plus possible. Anyway, mes petits doudous, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, voilà, c'est quelque chose que je voulais poser là parce que je trouve que voilà, les gens ont souvent tendance à oublier qu'ils ont de la valeur. Tu vois, c'est pas par le biais de ton boulot par exemple que tu vas forcément prouver ta valeur. Tu n'es pas là pour prouver ta valeur. La valeur, tu l'as déjà à la naissance. Là, t'es juste là pour profiter de la vie, frère. T'es juste là pour réaliser des choses que t'as envie de réaliser et réaliser tes petits rêves à toi et rencontrer des personnes formidables. Passer du bon temps, frère. Et réaliser des choses si tu en as envie. Je dis bien si tu en as envie, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, sachez-le, moi, I love you the way you are, honey, because nous sommes tous des crasseux, toi-même tu sais. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas le cas, parce que bon, on s'amuse bien ici, on se tape des petites barrettes, tout ça, ça va te maintenir. Si jamais il y a des suggestions de vidéos, je ne dis pas non. S'il y a quelque chose dont vous voulez qu'on parle, il n'y a pas de souci, on est là, ensemble,
par le lien capillaire. Oui, j'ai plus de voix. Que la grâce vous accompagne.